publique. Merci. Merci bien, monsieur le député. Monsieur Thierry Michels, vous avez la parole. Oui, merci, madame la présidente. Madame la directrice, je voudrais faire suite à un certain nombre de questions que vous avez posées, notamment par notre collègue Pierre Dharréville, qui vous interrogeait sur les actions que vous aviez mises en œuvre, justement, suite à ces révélations, pour améliorer la qualité des contrôles que vous effectuez, puisque, bon, vous avez bien expliqué le processus que vous suiviez, mais je pense qu'on peut quand même parler d'une faillite du système de contrôle. Et bon, je pense que ça amène des réponses fortes. Je m'interroge sur la façon dont vous pourriez mieux utiliser en fait ce que disent les résidents au niveau des conseils de la vie sociale, qui peuvent être une façon de détecter des signaux faibles et de difficultés, puisque ce qu'on voit dans le livre de M. Cassanet, c'est évidemment des événements graves, majeurs, dramatiques, mais qui évidemment prennent leur source dans une maltraitance au quotidien. Peut-être une question aussi sur la politique du département, de manière un peu plus large, hein, puisque vous l'avez signalé, votre département fait appel beaucoup aux hébergements privés. Est-ce que finalement cette crise va-t-elle vous amener à revoir la politique au niveau du département, sachant que c'est un département qui a les moyens en fait, de bien s'occuper de ses aînés. Je vous remercie.